fini les plaintes. Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch 3 en français. J'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et ça va être l'épisode relou. Pas forcément relou à voir, je pense que pour vous ça changera rien. Mais ce sera relou pour moi à tourner parce que si je me souviens bien, enfin c'est même pas si je me souviens bien, c'est j'en suis sûr à genre 100%, 102%, 200%, il y a des tableaux blabla. Et ces tableaux blabla, j'ai pas les yokai qu'il faut. Je sais, vous me dites de les récupérer depuis pas mal de temps, et je vois vos messages, mais je me dis, vaut mieux que je les récupère ici, parce que de toute façon, ils sont juste devant les salles. Donc, normalement, ça devrait pas être bien compliqué, sauf que, voilà, j'ai pas beaucoup de chance pour devenir ami avec les yokai dans Yo-Kai Watch 3, donc, je ferai des coupures, pour vous, ce sera certainement pas gavant, mais pour moi, ça va sûrement l'être, hein, parce qu'en version japonaise, j'avais dû passer peut-être 1h30, 2h à faire cet épisode, j'espère que ce sera pas autant. Bref, Whisper m'a dit que la traînée l'entraînement est terminé et j'espère bien parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas tourné la suite donc j'espère quand même. Alors, reçois plus de points d'expérience, c'est nul ça. Don des dieux empêche l'envoûtement des yokai reliés, ça c'est pas mal. Mais attendez, mais c'est pas ça que je voulais. Mais non, moi je voulais changer la multime. Ah mais elle avait pas d'amultime. Devient moins précis en attaquant. Mais c'est tellement le truc stupide quoi. Qui voudrait faire ça? Alors ouais, en fait il me semble donc que Bastetnian ouais n'a pas d'amultime. D'accord. Au niveau des amultimes il n'y a rien qui me dit vraiment incroyablement bien. Donc je pense que on va rester comme ça. Et attendez, Wobblenian c'est quoi? Auto-persuasion, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien du tout. C'est pas grave, en tout cas on va faire un entraînement normal, histoire qu'on augmente un peu son rang. Donc ce serait bien qu'elle augmente son esprit surtout en fait. Ouais. Bastetnian, ça me paraît pas mal. Ouais, Bastetnian, ça me paraît pas mal. On perd de la défense et de la vitesse, mais on gagne beaucoup d'esprit. Et donc c'est cool parce que j'ai envie qu'elle utilise beaucoup Vortex. Et Vortex, c'est quand même pratique quand t'as beaucoup d'esprit. Enfin bref, je sais que mon Yan est très moche, mais je changerai de vêtements quand j'aurai d'autres vêtements. Voilà, tout simplement. Alors, on arrive dans la maison. Oui. On a réussi à remonter à la surface. Sérieux? Vous êtes où là? On peut peut-être vous retrouver? Et comment ils font pour s'entendre? Sur le téléphone? Pourtant, il avait pas le téléphone à la main. Enfin bon. On a l'air d'être dans la cuisine. La cuisine? Comment ça? D'accord. Je suis pas sûr de suivre là. Mais on est aussi dans la cuisine. Quoi? Mais comment vous pouvez être dans la cuisine? Je vous vois pas! La seule explication, c'est que ce manoir a plus d'une cuisine. Quelle lumière! Une excellente déduction. Wouah! Il est de retour! Mais félicitations pour votre évasion. Vous savez résoudre des énigmes. Mais saurez-vous résoudre ma plus grande énigme? Aucune énigme ne fait le poids face à moi. Mais qu'est-ce que tu baragouines encore? C'est une énigme. Je suis une détective. Faut que je te fasse un dessin? On n'a pas le temps de faire mumuse. Faut qu'on se tire d'ici en vitesse. Il est impossible de s'échapper sans avoir d'abord résolu mon énigme. Je m'en doutais, ça m'aurait étonné que tu nous laisses passer comme ça. Ok. Permettez-moi de vous expliquer. Bien que ces deux salles aient l'air d'être identiques, elles sont en fait différentes. Saurez-vous trouver l'objet qui est spécifique à votre salle? Ton énigme, c'est juste un jeu des 7 erreurs en fait. Enfin, juste une erreur. Kirbenda, t'as plus qu'à trouver le truc qui sort du lot dans ta salle. Ah ouais. New York, on va essayer de trouver ce qui est unique ici. Nya. Quand tu penses avoir trouvé ce qui est unique, cherche avec la Yo-Kai Watch. Compris. Ah ouais, d'accord. Bon, ça va être un petit peu relou, je pense. Alors, plus relou que je l'imaginais. Bref. On peut interagir avec quoi? Avec presque tout, en fait. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais devoir aller là, prendre Ariane, etc. Non, en fait, c'est que les objets qui bougent. Donc, soit la poêle... je vois que trois trucs différents qui ont bougé, non?
Bon, j'en sais rien. Vas-y, Ariane. Non, mais il faudrait qu'il y ait un bouton pour changer les persos. C'est vraiment pas pratique, ça. Oh, ça va charger à chaque fois. Oh, mon Dieu. D'accord. D'accord, génial. Bon, la poêle, elle est là. Il n'y a pas la caisse. C'est la caisse qui manque. D'accord. Allez, on est reparti avec Nathan. Ok. Allez. Oh là là là. C'est un petit peu relou, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, la caisse qui est juste ici. Il me semble que c'était ça, hein. Ouais, je crois bien. Mémogre. Que je viens d'avoir dans Yo-Kai Watch Puni Puni. C'était la quête qu'il fallait pour avoir la pièce Nianbo. Enfin, pas la seule, mais bon. Quelque chose de spécifique à cette salle, comme ce micro-ondes. J'avoue que c'est plus logique que ce soit un micro-ondes plutôt qu'une caisse. C'est la bonne réponse. Mes félicitations, quel œil de lynx! Génial, on a résolu l'énigme! Je me demande comment Yusapion et Kirbenda s'en sortent. Ah, parce que eux aussi, ils doivent trouver un truc. Ça y était. Là, il y avait d'autres trucs. Il n'y avait pas un truc qui manquait, là? Attends, ah, je sais plus. Ok, Kirbenda. En tout cas, ça peut pas être les deux trucs qu'il y a à gauche. Parce que je les ai vus chez Nathan. Enfin, à droite, donc plutôt ici. Mais attendez, mais il n'y a rien de différent, là, si. Ah, ça, ça y était. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est qui, Yokai? Ah, c'est l'espèce d'étoile zip, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Bradgate. Oui, d'accord, ok. ça sent l'unique à plein nez. Ma pauvre, j'ai bien peur que ce ne soit pas ça. C'est une blague! De plus, j'ai le regret d'avoir à mentionner que toute erreur a une punition. Les cancres ne peuvent pas rester impunis. Préparez-vous à vous battre! Bon sang, t'aurais pas pu nous le dire avant! C'est vrai qu'il aurait pu nous le dire avant. Alors, si c'est pas ce truc-là, je pense que c'est le machin qui est sur la table, là. Je crois avoir rien vu sur la table de l'autre côté, donc ça doit être ça. Enfin, si, il y avait des trucs, mais il n'y avait pas de gros trucs qui bougeaient, en fait. Tandino, alors, qu'est-ce que t'en penses? Hé hé, trop facile! L'objet propre à cette salle, c'est cette balance! C'est la bonne réponse! Yes! Aucune énigme ne résiste à Kirbenda, la super détective! En effet, je suis impressionné par cet impeccable souci du détail. Bah, c'est rien! Kirbenda et les autres, comment ils s'en sortent? Comment ça, y a encore des trucs à trouver? Non, c'est fini! Bravo à vous deux! Vous avez fait preuve d'un véritable esprit de déduction! Giga cool, Kirbenda et les autres ont réussi aussi? Y'a intérêt. Et maintenant qu'on en a terminé avec ton petit jeu, on peut s'en aller? Très bien. Comme promis, vous pouvez maintenant quitter cette salle. Mais il va y avoir un autre truc dans la salle suivante, c'est ça? Bon sang, ça fait du bien de sortir de là. Cette salle seulement? Ouais, ça sent mauvais, hein. What? Vu comme c'est parti, il va nous falloir une autre clé pour quitter le manoir. Mais t'es une comique, dis donc. Blague à part, je suis sûr qu'on en a fini, là. Je rigole pas. Vous verrez, c'est sûr qu'il y a une autre clé. Encore une excellente déduction. Ah bon? Afin de vous échapper du manoir, vous devrez obtenir la clé de chaque pièce. C'est Zelda, quoi. J'espère de tout cœur que vous vous surpasserez. Ok, je sais plus combien il y a de salles, en vrai. Pitié, y'en peut plus, gna! Bon sang, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, chercher la clé. Chaque énigme en son temps. Sortons d'abord de la cuisine et après, on verra. T'as raison, on trouvera sûrement un truc dans la prochaine pièce. J'espère bien. Bah, il manquerait plus que ça quand même. Alors, bah ouais, parce que il y a une porte ici, mais qui est fermée à clé. Mais attendez, mais elle est pas fermée à clé, la porte. Enfin, sur la map, c'est marqué qu'elle est fermée à clé, mais en fait, je peux la passer, là. Hein. C'est pas très bien fait. Alors, ah, c'est directement ça. Il n'y a pas d'abord une énigme, parce que là, c'est la baignoire. Enfin, la salle de bain. Bah ouais, c'est ça. Waouh. Alors, c'est ça, une baignoire de palace? Giga cool. C'est juste du bling bling. C'est juste du bling bling. Tu peux dire ça autant que tu veux. Moi, ça me dérangerait pas de l'avoir cette salle de bain. En vrai, hein, parce que la mienne, elle doit faire la taille de quoi? Peut-être de l'espèce d'endroit là où il y a un lavabo et une serviette à gauche. Mais pas plus que ça, je pense. Donc, si elle pouvait faire genre 7 fois ou 8 fois de plus comme elle le fait là, moi, ça me dérangerait pas du tout. Kirbenda, tu m'entends? Vous êtes arrivé dans l'autre pièce? Yep, on est dans une salle de bain ultra chic. Je m'en doutais. Tu t'en doutais? Ouais, on est nous aussi dans une salle de bain ultra chic. Je préfère la salle de bain du côté de chez Nathan. Hein. En noir, ça fait...
Je trouve mieux que celle-là, là, je sais pas, celle-là. Là pour le coup, oh, j'aurais pas dit bling bling, mais non, je l'aime pas trop. Coucou, vous là-bas, pourriez-vous m'aider? Bah pourquoi pas, oui, c'est l'évolution de l'espèce de yokai qui est dans une baignoire, non? Parce qu'elle est aussi dans une baignoire. T'es qui toi? Ça n'est pas important, l'eau du bain est bien trop chaude pour moi. On est tombé sur boucle d'or ou quoi? Crochot pas content! Oh, trop tiède pour Crochot! Crochot aime son eau bouillante! Faut aider Crochot! Ça devient de pire en pire! On va juste sortir de ce manoir! Hein? Sortir? Vous faut une clé, non? Ouais? Crochot a une clé! Clé pour sortir du manoir! C'est la clé qu'il nous faut! On peut l'avoir? Crochot veut pas! Crochot donnera rien tant que vous aurez pas aidé Crochot! Ah, super! Si tu veux la clé, va falloir m'aider avec l'eau du bain. Et on fait comment? Va falloir refroidir, voilà, tout simplement. Non mais sinon, y a une solution toute simple, vous échangez de baignoire. Genre Crochot vient ici et toi tu vas dans l'autre. Genre ça paraît logique, non? Mais pff, bref, il y a deux salles de bain mais ils veulent s'en servir que d'une seule. Et elle est dans une baignoire quand même, hein, mais bon. Hé, Kirbenda, il y a un point yokai là-bas, ça pourrait peut-être nous aider. Un point yokai? Ça aurait pas pu mieux tomber, allons jeter un œil. C'est quoi un point yokai? Ça existe. Ça existe ce truc de point yokai? Non mais attendez, mais il a raconté n'importe quoi. Il y a un tableau blabla, d'accord, mais il n'y a pas un point yokai. Depuis quand les tableaux blabla s'appellent des points yokai? L'équipe de traduction qui a encore fait n'importe quoi, mais bon. Allez, tableau blabla. Et il nous faut Chiwaglagla, je sais, c'est ça. Tribu des mignons est toujours gelée, demandez à Erzestine. Oui, je sais, c'est Chiwaglagla. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de lui. C'est qui Erzestine? Erzestine. J'en sais rien. Donc, Chiwa. Non, Chi. Si je sais toujours comment ça s'écrit. Eh mince, je me suis trompé. Alors, non, je me trompe. Alors. Chi-wa-gla-gla. Ça c'est bon. Je crois, hein. J'ai peut-être mal écrit. Hein. J'ai mal écrit. Bon, j'ai trouvé, normalement ça s'écrit avec un H en fait, entre le I et le U. C'est. Il me semblait bien qu'il manquait un truc, mais j'aurais plus mis un W. Mais pourquoi pas? Bonne réponse! Voilà, j'ai même pas besoin de demander à Erzestine, je sais même pas qui. Donc Chiwaglagla, je ne l'ai pas, hein, il me semble quand même. On va voir, mais je crois que je l'ai pas. Appelle Chiwaglagla, je ne l'ai pas. D'accord. Bah, je vais commencer par essayer d'avoir Chiwaglagla et après on passera de l'autre côté. Donc Chiwaglagla, il est pas très difficile à trouver, hein, normalement il est juste là. Après, ce qu'il faut, c'est réussir à devenir son ami, quoi. Et ça peut prendre du temps. Avant, je veux quand même voir le yokai dont t'as besoin Nathan, parce que je me dis, ça se trouve, il est aussi de l'autre côté, donc comme ça, on essaiera aussi de devenir son ami. Alors, chercher, vas-y. Sauf que lui, ça doit être un yokai. Dans mes souvenirs, je crois que c'est un yokai de Yokai Watch 3. Donc, je crois que je connais pas son nom. Hein. On va voir, mais je crois que je connais pas son nom. Ce serait pas Feu Lion, tout bêtement? Un bon gaillard ne retire jamais son masque, demandez à Navetéran. Un bon gaillard ne retire jamais son masque et demander à Navetéran. D'accord. Donc en fait, je sais où ils sont, hein, les Navetérans et tout ça. Ils sont là, hein, c'est ça. Ah bah, Chiwaglagla, il est là. Qu'est-ce que tu dis, matelot? Un yokai qui fait bouillir l'eau du bain? Ouvre bien tes écoutilles, je connais le yokai qu'il te faut. El Gallardo. D'accord, va. Oui, ok. Donc en fait, il est de ce côté-là, Chiwaglagla, et alors El Gallardo, il est de l'autre côté? Peut-être. What? Quoi? Au deuxième essai? En plus, je lui ai même pas donné sa nourriture préférée, j'en avais pas. Il venait de me le donner, hein. C'est le ramen qu'il aime. Et il venait de me donner un ramen minute à la fin du combat. Mais je lui ai donné un pauvre sushi. Bref, allez, Chiwaglagla s'approche. En plus, j'ai même pas pu utiliser le blaster d'amitié. J'ai utilisé deux fois le blaster quand même dans le combat. A chaque fois, c'était l'attaque. Hein. Génial. Brrr, il fait si froid. Devenons amis, s'il te plaît. Et allez, vas-y. On se lie d'amitié, bien entendu, hein, quand même. Par contre, El Gallardo, je sais pas où il est. D'ailleurs, faut que je lui redemande à l'autre parce que bah je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. EL peut-être et après avec GA2L, non? On va. Ok, c'est ça, El Gallardo. Ok, je vais aller l'écrire tout de suite. Mais alors, donc le yokai dont Ariane a besoin, il est du côté de chez Nathan. Et donc, j'imagine que le yokai dont Nathan a besoin, il est du côté de chez Ariane. Ça devrait être à peu près logique. Alors. Elle. Non.
Je sais pas s'il faut mettre les majuscules, hein. À chaque fois j'ai pas voulu essayer sans, mais donc je les mets, dans le doute, je m'embête, El Galardo, c'est ça. Donc c'est quoi, du portugais, de l'espagnol? J'en sais rien du tout, j'ai appris aucune de ces deux langues, moi j'ai fait italien à l'école, donc je ne sais pas. El Galardo, attendez, c'est un catcheur, donc si c'est un catcheur, catcheur c'est où? C'est ni au Portugal, ni en Espagne, ce serait pas au Mexique? Donc si c'est au Mexique, ce serait en espagnol. Mais j'en sais rien du tout en fait, hein. J'en sais absolument rien. Donc vous moquez pas de moi, parce que bon, je sais qu'il n'y a pas que du catch dans ce pays-là, hein. Je sais qu'il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi en France. Mais je veux dire, le pays duquel ça vient, c'est peut-être là-bas, non? J'en sais rien, je sais pas. Bref, alors, est-ce qu'il va se trouver ici, là, le petit El Galardo? Eh bien non, eh bien non. Alors là, j'ai mis la totale, hein. J'ai mis... une viande, je lui ai mis aussi plein de pistolets là pour l'amitié, donc voilà, enfin quand même. Alors je suis plus dans le château, enfin dans le manoir, enfin je peux ça en château vu qu'il est gigantesque. En fait, il est dans le sous-sol, El Galardo, effectivement je suis revenu, j'ai tourné en rond et en fait je l'ai pas trouvé dans le château, donc je pense qu'il y est pas. En fait il est dans les souterrains, mais les souterrains juste avant, hein, pas la grotte qu'on a faite il y a un bail. Donc voilà, si vous le cherchez, il est juste là. Quoi? En espagnol ou en portugais, je sais toujours pas, hein. Deux L, ça se dit lieu. Donc ce serait El Galiardo. Oh, ok, comme je vous dis, ne vous moquez pas, hein. Moi j'ai jamais fait d'espagnol ou de portugais, donc j'en ai absolument aucune idée. Mais parce que je sais qu'en italien, deux L, ça fait pas ce son-là. Alors, on va quand même... sauvegarder? Ouais, on va sauvegarder quand même, parce que, bon, le jeu crache pas souvent, hein, même jamais, mais on sait jamais. Et j'ai pas envie de perdre les deux yokai que je viens d'avoir quand même. Allez, vas-y. Mishiwa Glagla, c'est parti. Mais là, ça va être beaucoup trop froid pour toi, non? Allez, mon ami, à toi de jouer, Mishiwa Glagla. Médaille yokai, activation. Pfiou. Les mignons. Non, je connais pas la musique. Je connais pas la chanson. Et l'autre, il est quoi d'ailleurs? Si lui, c'est un mignon, c'est quoi l'autre? J'en sais rien. Un coup de main ne serait pas de refus. J'en ai la baignoire qui sue. Dis, il fait un peu chaud ici. Trop chaud, bien trop chaud. Je fonds là. Qu'est-ce que... Allez, ça va devenir plus frais. Pourquoi il se plaint tout le temps d'avoir chaud alors qu'en fait, il peut refroidir l'environnement autour de lui? Y a pas de raison de se plaindre, donc. Nom d'un burger, Chihuahua Glagla a fait baisser la température. Cool. Ah, l'eau est juste comme il faut maintenant. Je peux me détendre dans mon bain. Bon, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait avoir la clé, du coup? Et je dirais pas non à un petit bonus. Je suis pas sûr, ça, le bonus. D'accord, je crois qu'on a eu rien du tout, si. Un bon bain tiède et profond, rien de mieux pour un long plongeon. D'accord, on a absolument rien eu. Très bien. Mais effectivement, j'ai dit n'importe quoi. Chihuahua Glagla, il se plaint jamais d'avoir chaud, il se plaint toujours d'avoir froid. C'est la seule fois qu'il se plaignait d'avoir chaud. Donc c'est génial, c'est genre le mec qui peut faire refroidir son environnement et qui crève toujours de froid, le pauvre. Allez, El Galiardo. Je crois que ça se dit pas du tout comme ça, hein. Allez, mon ami, à toi de jouer, El Galiardo. Médaille Yukai activation, je ne sais pas de quelle tribu tu es. Ouais, je dirais que c'est un insaisissable ou un mystérieux, l'un ou l'autre. Ouais, je sais pas, ce serait vraiment du débit de faciès, hein, j'en sais rien du tout en vrai ce qu'il est. Olé, elle, cochon des mains, tout pense qu'est tout aimé vaincre. Hein? Tu veux te battre avec Crochot? Ah non. Exactement, et tout a l'air. J'ai jamais fait d'espagnol, je sais pas à quoi ça ressemble. Tout pense qu'est tout pétenir face à la flamme de ma passion pour El Combat. Ouah, c'est moi où il commence à faire chaud avec toute cette tension. En quoi c'est censé nous aider? What? Il va vraiment nous combattre? Non? Non, il me semble pas qu'on se combatte contre Crochot. C'est devenu de la lave, genre c'est plus que devenu chaud, quoi. Oh, devient chaude! On dirait que la passion enflammée d'El Galardo a réchauffé l'eau. C'est comme ça Crochot aime son eau. Bouillante comme il faut. Elle est plus que bouillante quand même, hein. Eh bien, il a l'air content.
Il faut croire que certains l'aiment chaud. Oh là 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 là, la référence. Déjà, je sais même pas si des gens peuvent la comprendre, cette référence, mais bon... Enfin, si, mais des enfants, en tout cas, je suis pas sûr. C'est ce que Crochot voulait. Crochot content. Allez, donnez la clé, là. Ah, je suis guéri. Kirbendo, on a réussi. Guéri de quoi? On dirait bien que les deux bains ont une température convenable. Vous avez aidé Crochot, donc Crochot vous donne la clé. Merci. Ah oui, c'est vrai que c'est pas fini. Oh, je me souviens. Miaou. Comme promis, voici la clé pour la pièce suivante. Mais oui, il y a encore deux pièces au moins. Il doit y avoir la bibliothèque et le buffet, non? Ah, je sais plus. Ah ouais, c'est long en fait cette zone. La pièce suivante? Mais ça n'en finira jamais! Amusez-vous bien! Ça commence à devenir une habitude! Allez, Kirbendo, on n'a pas de temps à perdre! On n'a pas de temps à perdre, tu l'as dit, Bouffy. Alors, bah ouais, là c'est la bibliothèque, je crois, parce que c'est la salle qui est juste à gauche. Il me semble qu'après on se rejoint dans le buffet. Et après, pour finir, bah je vous dis pas. Je vous dis pas, vous verrez bien. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah non, il n'y a pas la bibliothèque. Ok, on est dans une grande salle à manger, vous aussi? Il y a un mauvais prion qui n'y ment. Seuls les VIY sont autorisés à accéder à la salle suivante. VIY? Very important yokai. Si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Qui? Moi? Bah, on n'a pas dit toi, mais si tu veux, d'accord. Alors... Tout le monde en fait, sauf Whisper parce qu'il peut pas s'asseoir. Auriez-vous l'obligeance de vous asseoir? Je dois m'asseoir aussi? Moi j'aimerais bien son jus d'orange là, Valentino. J'ai soif. Enfin elle s'assoit aussi mais elle a pas d'assiette par contre. Hein. Ni assiette ni couvert. D'ailleurs l'assiette elle est mal placée par rapport au couvert quand même. Je me demande ce que ça va être cette fois. Non mais là aussi, pareil, oulala, c'est pas beau ça. En tant que valet, il est de mon devoir de satisfaire les VIY. Seul un véritable VIY pourra surmonter cette épreuve. Vraiment, pour info, tout le monde sait déjà que je suis évidemment un VIY. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Il avait l'air convaincu, tiens. Il se moque. Un very insignifiant yokai. Mais il a disparu! Non mais oh! Pourquoi il a disparu? Parce qu'il est vraiment insignifiant? Comment oses-tu me traiter de la sorte, valet de pacotille? Permettez-moi de vous expliquer. Vas-y, dépêche-toi. De la nourriture similaire mais de différentes qualités vous sera servie. Vous devrez alors choisir quelle salle a reçu la nourriture de meilleure qualité. Réfléchissez bien avant de choisir la salle. La salle A sera celle d'où Sapillon, si vous pensez qu'il s'agit de celle-là. D'accord. Choisissez la salle A juste là. Sinon... La salle B sera celle de Jibanyan, si vous pensez qu'il s'agit de celle-là. Choisissez la salle B juste là. Très bien. Ça paraît logique. J'y ai compris. Ça n'y a pas l'air très compliqué. Tout à fait. Cela devrait être une simple formalité pour un véritable VIY. Tout est prêt. Nous pouvons donc commencer. Bon, dépêche-toi! À bout de la nourriture, là! Bah, elle est où? Ah oui, ok, d'accord. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Allez, dépêche. Très bien. Dans ce cas, voici la première énigme. Nous allons commencer par une sélection de boissons. Vous devez déterminer laquelle d'entre vous a reçu le lait de meilleure qualité. Bon sang, je pensais pas un jour flipper autant face à du lait! Le lait merveilleux est le lait le plus savoureux que l'on puisse déguster. Je vais d'abord servir la salle A. Comment je vais savoir si c'est du lait merveilleux ou pas? Ah bah d'accord, ok. Bah oui, ça c'est le lait merveilleux. C'est le meilleur lait que j'ai jamais bu. Je bois de l'or liquide là. Ouais, de l'autre côté. D'ailleurs, il met la bouteille de lait dans l'assiette. Très logique, alors qu'il y a un verre à côté quand même. Et maintenant, la salle B. Du lait glacé a été apporté. Attendez, mais c'est la même bouteille que dans l'autre salle, non? Pas génial du tout! Il a un léger goût sucré et il est onctueux comme il faut! J'en conviens que le service était à votre goût. Si vous pensez avoir trouvé, veuillez vous diriger vers la salle en question. Ça paraît logique. Non, Jibanyan n'y va pas!
Oui, parce que c'est pas toi, Jibanyan. Pourquoi je peux contrôler Jibanyan, c'est quoi cette histoire? Ok, d'accord. Pourquoi je peux pas contrôler Nathan? Genre, ils ont fait en sorte qu'on puisse contrôler directement le yokai alors que ça sert littéralement à rien. Genre, ça changerait rien du tout que ce soit Nathan ou Ariane qu'on puisse contrôler. Hein. Mais bon, bref, si vous voulez. Alors, salle A et... C'est une salle de karaoké, ça c'est ouf. Y'a pas de doute, c'est ici. Dans ce cas, je vais vous dire si vous avez fait le bon choix. En entrant dans la salle correspondant à la bonne réponse. Bah oui, hein, c'est forcément la salle Arles, les merveilleux, c'est le meilleur, il l'avait dit juste avant en plus. Hein. J'espère que c'est là. Eh ben, t'en tires une tête microbe, y'a pas de souci à se faire, tu verras. Absolument, ce genre d'épreuve c'est du gâteau. Tu l'as dit. Il est l'heure de révéler la salle gagnante. Et... Non mais on sait quelle est la salle gagnante. Non mais il nous fait pas un espèce de suspense. Va à la salle A. Ah bah voilà, très bien, ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça prend 3 plombes pour rien. Génial, la bonne réponse est la salle A. On a réussi, yiha. Bien joué Yuki Apion. Victoire. Félicitations. Et Whisper, hein, le pauvre. Qu'est-ce qu'il faisait dans la salle d'ailleurs? Oh oh oh, on dirait bien que cette épreuve ne vous a posé aucun problème. Yiha, avoue que je suis the best des VIY que t'es rencontré. L'épreuve n'est pas encore terminée. Tu te payes ma tête? Une seule bonne réponse ne fait pas de vous un VIY pour autant. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Comment ça le suivre? Mais on le suit pas, il a pas bougé. Allez, deuxième épreuve. Qu'est-ce qu'il va nous servir cette fois? Bon, les dialogues, hein, on les a compris. Hein. L'enjeu est important, la viande, d'accord. Steak, tourne dos. What? Ah, il commence d'abord par servir la salle A, d'accord. Un gros steak grillé a été apporté. Là, j'ai du mal à savoir... Pour l'instant, enfin, ça dépend ce qu'il va dire. En fait, la plupart du temps, ça se voit. Genre, je veux dire, même si tu le sais pas, tu peux le deviner. Ça se voit souvent. Et bah, ça a l'air littéralement meilleur quand même, ça. Enfin, moi, je sais pas si vous le savez, hein, mais je l'ai quand même dit pas mal de fois, je suis végétarien, je mange pas de viande. Mais ça n'empêche que je sais quand même reconnaître quand une viande a l'air appétissante. Et là, je suis désolé, les deux ont l'air très appétissantes, hein, je suis d'accord. Mais alors, celle de la salle B a l'air carrément meilleure que la salle A. Ou à moins que j'ai confondu. Enfin, en tout cas, celle de Jibanyan a l'air d'être carrément meilleure. Enfin, en tout cas, elle m'appétit bien plus. Sauf qu'elle faisait la taille de la tête de Jibanyan. La taille de la tête de Jibanyan, mais il a pu la manger quand même sans aucun problème. Hein. Ça ne m'étonne point. Allez, vas-y, Jibanyan. Elle est où? Bah, elle est où, Jibanyan? Ah oui, ok, d'accord. Nya, pas de photo qui est là. Et comment Whisper a fait pour arriver dans la salle A? Genre, il est passé au travers les murs? Il allait rejoindre Ariane sans nous le dire? Dans ce cas-là, je vais vous dire si vous avez fait le bon choix. Bon, je lis pas encore les dialogues parce que de toute façon, je sais que pendant 3000 ans, il va encore faire « J'ouvre la salle A, j'ouvre la salle B, j'ouvre la salle C !» Non, il n'y a pas de salle C. Mais ouais, il va nous faire un espèce de petit faux suspense. Franchement, s'il nous faisait des suspens comme ça et que j'ai tort, je serais un peu dégoûté. Whisper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se rend à moitié invisible là? C'est parce qu'il est insignifiant, c'est ça? Pauvre Whisper. Allez, vas-y. Ok, très bien. La bonne réponse est la salle B. Ouais, y'en était sûr. C'est qui le meilleur? C'est moi, gna. Yeah, bien joué, Jibanyan. Je te l'avais dit, une star telle que moi n'aurait jamais pu se tromper. Félicitations. Pauvre Whisper. Il s'en prend plein la figure depuis le début du jeu, c'est dingue. J'ai l'impression plus que d'habitude. On y a réussi, gna gna. En effet, le statut de VIY se rapproche à grands pas, c'est pas fini. Comment ça? Dernière épreuve. Alors, la dernière épreuve, c'est... Ouais, on te reparle, et là, bien sûr, on recontrôle Nathan. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais bon, pourquoi pas. Alors... Pour la dernière épreuve... Hein? Il mange pas de yokai, comment ça? À l'un d'entre vous sera servi un yokai de rang S, fouettard. Va vraiment falloir changer la tambouille de ton boui-boui. Je vais d'abord servir la salle. À quoi? En fait, il va devoir servir deux yokai et je vais devoir reconnaître lequel est fouettard.
Bah je sais pas, lui ce serait pas Komasan. Je crois, hein, il est bleu comme Komasan, hein. Il porte un masque, hein, donc un peu comme dans dans Superman, moi je sais pas reconnaître. J'ai mis longtemps à savoir que Superman c'était Clark Kent, hein, parce qu'effectivement des lunettes, c'est difficile de savoir, hein. Ah mince. Mais lui ce serait comme Komajiro, non? Bah ouais, il a des teintes rouges. Mais il porte des masques, mais retirez votre masque, moi j'arrive pas à voir qui vous êtes, hein. Ah, c'est compliqué ça, hein. Non mais je me moque de vous, hein, bien entendu que je sais qui est Fouettard. Mais je m'attendais à ce que l'épreuve soit quand même un petit peu plus facile, parce que là pour le coup, genre ils auraient pu nous sortir d'un côté, je sais pas, genre Jibanyan et de l'autre Fouettard, et donc là ça aurait été difficile de savoir lequel c'était pas. Mais là pour le coup ils nous ont sorti deux yokai à peu près similaires quand même, Fouettard et l'évolution de Trépigno, je sais plus comment il s'appelle, Zerberker, c'est ça. Et donc oui, bon, Fouettard en tout cas c'est le bleu, hein, voilà tout simplement. Allez, on rentre dans la salle A et ça va être fini. Enfin la salle B plutôt. Non, la salle A. Ah, je m'y perds à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est pas logique pour moi. La salle A elle est à gauche alors que la salle B elle est à droite. Enfin en même temps si ça paraît logique parce que on lit de gauche à droite. Mais en fait ce qui me paraît pas logique c'est que pour moi Nathan c'est le joueur 1 et Ariane c'est le joueur 2. Donc Nathan c'est le joueur A et Ariane c'est la joueuse B. Et je dis pas ça parce que c'est un gars et que c'est une fille, hein. Je dis ça parce que Nathan c'est le héros des deux premiers Yokai Watch et Ariane c'est le nouveau perso, donc généralement le nouveau perso je l'aurais mis en deuxième, surtout que elle apparaît en deuxième dans le jeu, mais bon, c'est pour ça que ça me perturbe en fait qu'il y ait A d'un côté et B de l'autre. Mais bref, moi je les aurais inversés, mais c'est vrai que ça a du sens aussi vu qu'on lit de gauche à droite. Mais bon, allez, vas-y, révèle-nous la salle gagnante, où était Fouettard, je ne sais point, j'ai un petit doute là pour le coup. Non mais, on peut passer la cinématique. Et on peut. Ah bah ouais, très bien. Voilà. Yiha, victoire écrasante d'où Sapillon. Mes félicitations, gentlemen. Vous êtes sans aucun doute de parfaits DIY. Rien de surprenant. Vous êtes digne de cette clé, en espérant qu'elle puisse vous servir. Clé de l'entrée Est, elle est magnifique. Elle est magnifique cette clé. C'est ouf. Oh, oh là là. J'aimerais bien que les clés de ma maison soient comme ça. J'aurais peur qu'on me les vole en fait. Bon, on y va maintenant? Comme promis, une clé très importante pour The Very Important Yokai. Ah merci, c'est gentil ça. Ça fait plaisir à entendre. Beau boulot les gars. Maintenant, on peut continuer notre exploration. Ouais. Ouais. C'est tout, genre juste ouais, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Est-ce que quelqu'un se rappelle que j'existe ici? Yokai insignifiant, invisible, bah c'est plus ou moins la même chose, non? Pas vraiment, non. Whisper et Hyugenyaman, bien plus ni agréable comme Kia. Whisper est bien mieux quand on le voit! Minute, je suis de retour! On peut me voir à nouveau? Faut croire que maintenant que le test est terminé, t'es de retour. Quel soulagement, qu'est-ce que je serais devenu si ça avait été irréversible? Heureusement, c'était pas le cas. Il est gentil, Nathan, quand même. Yep, bon allez, direction la salle suivante. Il est gentil, mais réaliste. Bref, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch 3 en français. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!